like we don't care. Now, now don't you speak. The words you haven't said are better in my head, better in my head. Love the way I love the way it sounds when your body talks to me. Let's fall in love for the night. Partners in crime till the sunrise. J'espère que vous allez bien. Là, on est le 9 juillet. Je commence tout juste ce vlog parce qu'hier, j'avais plein de trucs de prévu. Vous verrez ça bientôt. Je vous en dirai plus. Mais voilà, cette semaine, c'est une semaine assez chargée. Mais j'ai focalisé ce vlog sur une chose, c'est la boutique. Parce que j'ai plein de choses à faire par rapport à ça. Voilà, refaire des photos, préparer les commandes, préparer un marché aussi, puisque j'ai un marché de créateurs ce dimanche. Donc bref, plein de petites choses à faire. Donc c'est sûr qu'on va se concentrer cette semaine, c'est genre mission number one. Voilà, donc la première chose que je vais faire, c'est la priorité en fait, c'est préparer les commandes. J'en ai eu plusieurs quand j'étais à Toulouse, d'ailleurs merci beaucoup, ça me fait vraiment trop plaisir. Donc là, je suis à Bureau-Vallée actuellement pour aller chercher des matières premières que j'avais plus. Et après, on prépare tout ça parce qu'on a du boulot. Elle bosse dur l'imprimante là, elle imprime en rafale depuis tout à l'heure et c'est pas fini. J'ai l'impression que ça fait 2 jours que je fais que d'imprimer du papier, mais je crois que c'est pas qu'une impression. Forcément, j'ai mon petit assistant qui m'accompagne partout. Et du coup, je squatte le lit de mes parents pour mettre tout ce que j'ai déjà imprimé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? On imprime trop? Oh oui, tu veux des papouilles, hein, je t'ai manqué. Bon, après 2 heures de découpage intensif, je vais passer à l'emballage en fait des fiches. Donc là, j'ai tout découpé, les flashcards, les fiches, etc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits bordereaux comme ça tout autour de chaque paquet de fiches en fait pour les reconnaître et savoir à qui elles appartiennent, à quelle catégorie et tout. Donc pour ça, je vais mettre de petites feuilles de couleur comme ça. Donc ça, c'est ce que je vais faire, c'est ce qui me reste à faire. Et après, bien sûr, on va emballer celles qui sont déjà vendues. Bah, la plupart que j'ai fait, c'est déjà tout vendu. Mais j'en ai essayé d'en faire un ou deux paquets en avance pour de futures commandes, histoire d'anticiper un peu parce que ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Je me suis chronométrée avant pour voir combien de temps ça me prenait. Et ça me prend une demi-heure à 45 minutes par pack. Donc quand je dis par pack, c'est genre pack écrit ou pack oraux, vous voyez. Donc c'est quand même assez long, voilà. Mais écoutez, c'est le temps que je prenne le coup de main aussi. Et comme bah, là, j'avais plusieurs commandes que j'avais pas du tout commencé vu que j'étais pas à la maison, bah, forcément, ça m'a fait accumuler un peu de retard. Donc l'objectif, c'est de finir tout ça aujourd'hui. Là, j'ai pas ma montre, mais j'ai regardé avant, il est 15h30. Et le but, c'est de finir avant 16h pour pouvoir aller les déposer à la poste et en même temps me prendre un petit goûter pour me récompenser de tout ce travail acharné. Donc let's go, on perd pas de temps. Et j'ai pas précisé, mais en même temps que j'emballe en fait les fiches, je les recompte. Vous voyez, il y a une fiche juste ici. Et en fait, je me suis mis le nombre de fiches qu'il y a par lot, histoire de les recompter et être sûr de ne pas en avoir oublié. Donc voilà, c'est un petit checking en même temps. Thank you.
Donc voilà, il est 16h, j'ai fini tout préparer les lots qui ont été vendus. Donc tout ça, ça a été vendu, il va falloir que je l'emballe pour envoyer à la poste. Et ensuite ici, c'est celle que j'ai fait un peu en avance, mais que j'ai pas encore découpée, là je pense que je vais pas avoir le temps. J'ai vraiment envie d'aller à la poste maintenant avant qu'il y ait du monde sur la route. Donc voilà, j'ai plutôt bien avancé, je suis contente, c'est très satisfaisant de voir tout ça terminé. Je profite de quelques images que j'ai filmées lorsque je prépare le troisième coffret de Lila Zalé, qui est normalement en ligne à l'heure où vous voyez cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu le concept. J'ai essayé de faire un coffret dans les couleurs de l'été avec voilà le citron, c'est vraiment ce qui revient beaucoup cette année et c'est vrai que c'est un motif que j'aime bien. Donc voilà, c'est vraiment une box un peu spéciale summer où le but c'est de passer du bon temps, voilà, avec des stickers holographiques colorés. Vraiment, j'adore cet effet holographique sur les stickers, je trouve que ça donne trop du peps. Également, vous verrez qu'il y a d'autres produits que je vous présenterai par la suite. Bon voilà, j'ai tout sorti sur mon bureau, ce que je comptais amener en termes de produits. Je vais pas amener les fiches, c'est ce que j'ai fait en stock, mais je vais pas les amener à cette vente là, parce que c'est vraiment un produit avec une cible de clients très particulière, donc je vais pas les amener. Surtout je les ai imprimés à la demande, donc il n'y a pas d'intérêt. Mais du coup je prends tous les porte-clés qu'il y a là, les washi tape, les illustrations, en fait les produits que vous pouvez trouver sur ma boutique. Il y a quelques trucs qui sont pas sur ma boutique, genre les autocollants là-bas. Quelques petites nouveautés, mais à l'heure où je sors la vidéo sera sûrement en ligne, c'est le coffret numéro 3 sur le thème un peu des citrons. Donc il y a les boucles d'oreilles et les stickers holographiques là-bas que je viens de terminer. Et voilà, 2-3 autres petits trucs qu'il n'y a pas sur la boutique, mais majoritairement c'est les produits Lila Zalé, hein, de toute façon avec les coffrets. J'en ai là-bas qu'il faut que je sorte. Mais voilà, un petit peu, là je vais essayer de bien organiser, voir ce que je prends, ranger le reste que je prends pas, pour y voir plus clair. Qui va dans ce plomb. On est samedi, donc un jour avant le marché, et oui, je viens de me laver les cheveux, c'est pour ça que j'ai les cheveux tout mouillés, enfin bref, on va faire abstraction. Qu'est-ce que je voulais dire? J'espère qu'il va faire beau demain. Ça vraiment, je... on croise les doigts. Parce qu'il y a la possibilité d'acheter un Barnum, mais c'est 35€ en plus. Est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser 35€? Est-ce que je peux dépenser 35€ en plus? Pas sûr, pas sûr, non. La mission du jour, ça va être de faire un stand, un pré-stand en fait, mais chez moi. J'ai mis la table là derrière sur laquelle vous êtes posé actuellement. Parce que j'ai jamais fait de stand pour ma boutique comme elle est actuellement, puisque Lila Zalé a été créée en début d'année, donc elle n'a jamais été exposée. Du coup, j'ai fait pas mal de petits trucs, j'ai fait des petites affiches et tout, vous avez vu dans les images d'avant. Mais du coup, j'aimerais bien faire un stand d'essai pour voir et surtout pour gagner du temps demain matin. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, cet après-midi, c'est le programme. Comme ça, on fait le stand d'essai, on emballe tout et tout est prêt pour demain matin à 7h30.
de bon matin et de bonne humeur, parce que ce soir je suis pas chez moi, donc let's go. Donc voilà ma table de base, et ce que je dois mettre c'est ici, et bien sûr après j'essaie de mettre de la déco, j'aimerais bien mettre du relief aussi. Bref, on va essayer de faire quelque chose de joli. In crime till the sunrise, trash my room, start a fight, and never say a word. Let's fall in love for the night, smoke out the valet for a joyride, crash and crawl through the night, and never say. Donc d'un côté j'ai mis le premier coffret, donc Santoré, voilà, avec tous les produits qui vont avec. J'ai rajouté aussi ces petits bonus, ces stickers planète. Ensuite quand on approche par là, ça va être le coffret Magnolia. Donc là voilà, c'est les bloc-notes, une présentation du coffret, et là j'en ai en stock ici. Ici j'ai mis plusieurs stickers, un bloc-notes, les quelques porte-clés qui me restent. Et là c'est le nouveau coffret qui va sortir normalement la semaine où vous voyez cette vidéo sur ma chaîne. Vous voyez qu'il n'y a que 3 articles, il en manque un que j'ai pas eu le temps de faire, c'est pour ça qu'il n'a pas de nom, etc. encore. Mais vous voyez un petit peu la thématique, et bien sûr mon affiche avec mes réseaux sociaux. Ouh, j'ai un coup de barre là. Doit être je pense 17h, c'est toujours l'heure où j'ai un coup de barre, je sais pas pourquoi. Bref, j'ai fini d'installer mon stand, donc là le but ça va être de tout emballer pour mettre dans les voitures, enfin la voiture. Et comme ça sera prêt pour demain matin. Je suis assez contente de ce que ça donne, on verra si ça plaît. C'est toujours aussi le moment où quand t'installes tout, tu dis waouh, j'ai fait tout ça, et des fois tu sais pas trop ce que ça va donner. Parce que les marchés, bah, c'est assez aléatoire selon la météo, le monde qui passe, les clients et tout, donc l'emplacement aussi, ça joue des fois. Donc je sais pas trop, j'espère au moins rembourser le stand, et quand même faire un peu de bénéfice, ça serait cool. Hein, en fait. Voilà, je sais pas trop, forcément c'est le moment où je me dis, bah Marie, t'es pas une professionnelle, Marie, c'est pas ton métier, les gens font mieux que toi, et voilà. C'est le moment où tu te dévalorises, mais c'est trop dommage, c'est pas bien de faire ça. Mais... espérons que ce soit une bonne journée. Normalement, j'ai une copine qui passera, donc ça c'est cool. Et on verra bien. Voilà. De toute façon, maintenant, je peux pas faire plus. J'ai fait mon stand, j'ai trouvé mes prix, j'ai fait mes produits. Donc, on verra ce que ça donne. Mais c'est toujours la petite appréhension de vendre en direct. Je viens de capter que j'avais pas de monnaie pour demain. Donc là, je vais passer à la banque, retirer des billets. Et après, je vais passer dans un supermarché, prendre un sandwich et demander à la caissière ou au caissier de me faire de la monnaie. Le soleil est de retour, ça fait trop plaisir, je peux enfin sortir mes lunettes de soleil. Par contre, il fait super chaud dans ma voiture. On va ouvrir les lunettes tout de suite. Bon, il y a des moments comme ça, tu te dis pourquoi j'ai fait ces choix de vie. Il est 7h20, un dimanche, je suis prête, etc. à partir. Le réveil était un peu dur, honnêtement, parce qu'hier je me suis couchée à 1h du matin, donc là, faut assumer. Mais bon, ça va être cool, je me reposerai un autre jour. Pas ce soir, parce que je sors voir le feu d'artifice, mais... demain matin, j'espère. Bref, allez, c'est parti. C'est bizarre, c'est la première année que j'y vais toute seule. D'habitude, bah, j'ai soit ma soeur, mes parents et tout qui m'accompagnent. Mais là, j'y vais toute seule. Donc, mais bon, je vous emmène avec moi. Donc, c'est cool. I'm feeling pretty good this time. I can see the leaves are smiling red and June gold. The wind starts moving in. It's like I'm living in the stories of old. Well, I can hear the poets calling out in the forest. They're wishing me well. Those bards of bygone times have gotten me on one road. I'm trailing on with two friends. I'm going around in three worlds. Have I been here before and when? J'ai prévu la pluie. J'ai un kawaii là, un autre kawaii là. C'est sac poubelle. C'est pas pour moi. Moi, je m'en fiche d'être mouillée. C'est pour le stand. Parce que je suis une des seules qui a pas de trucs comme ça. Mais bon, c'est pas grave.
Ça va le faire. Il est 10h50, il pleut à fond. Après, c'était l'heure où il était censé plus pleuvoir. Donc, normalement, à 11h30, il peut plus. On croise les toits. Parce que du coup, bah, là, j'ai mis des bâches et là, je suis dans la voiture derrière. Donc, en fait, bah, je vois rien, ce qui est normal, puisqu'on voit même pas ce que j'ai sur mon stand. Bref, j'ai quand même vendu un truc ce matin, un petit bloc-notes tout lisse, qu'une dame est passée chercher vraiment assez tôt. Hein. Je pense que j'étais encore en train d'installer. Donc, c'est cool. Mais espérons qu'il fasse beau bientôt. Voilà, et qu'il y a plus de monde cet après-midi. Quand l'averse sera passée. Donc en attendant, j'attends dans ma voiture. Il fait un peu froid du coup parce que bah, il fait tout humide. J'ai mon gros pull du Canada, mais j'ai quand même un peu froid. Bref, c'est génial. On va manger des chips pour se remonter le moral. J'avance bien dans mon livre. J'avais pris et j'avais pas commencé, donc là j'ai déjà lu 50 pages. Voilà. On rentabilise le temps. Bon, l'après-midi, le soleil est revenu parmi nous, j'avais même trop chaud, donc vous allez voir que j'ai changé, je me suis mis en t-shirt et j'ai même décalé ma table vraiment à l'ombre, tellement j'avais chaud finalement, donc bon, ce différentiel de température est assez impressionnant. Écoutez, je fais en même temps le bilan de cette vente, qui a été un échec cuisant. J'ai presque rien vendu, en fait j'ai fait 10 €, c'est le prix du stand, donc heureusement j'ai pile poil remboursé, et encore si tu comptes les frais d'essence, de pique-nique, etc, au final c'est pas si remboursé que ça, mais bon, écoutez, c'était quand même une expérience à prendre, voilà, ma sœur est venue me rejoindre, et vous verrez par la suite, j'ai une copine aussi qui est passée, donc merci à elle d'être venue, ça m'a fait un peu de compagnie, j'ai aussi pris ce moment pour discuter avec d'autres créatrices, donc ça c'était chouette, il y avait quelques animations, etc, mais voilà, niveau vente, c'est pas exceptionnel, du coup je suis un peu déçue, je vous l'avoue que ça m'a mis un gros coup au moral, en mode est-ce que je suis légitime de vendre ça, est-ce que mes produits sont bien, est-ce qu'il y a vraiment un sens à ce que je fais, enfin bref, je me suis posé plein de questions, là ça va un peu mieux, même si je vous avoue que bah, c'est toujours difficile de se dire... Ben, quand on vend pas, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue pas? Est-ce que c'est qu'il y a un problème avec la boutique, que je devrais changer certaines choses? Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu quand même. Je vais vous laisser avec quelques images de ma soirée qui était incroyable. Vraiment, cette semaine-ci, je vous ai pas filmé tout ça, mais je suis pas mal sortie. En fait, j'étais presque jamais chez moi le soir, sauf un soir dans la semaine, je crois. Mais bref, là, la dernière soirée de la semaine, je voulais filmer parce que c'était juste trop trop chouette comme moment. J'étais avec mon amie Cléa. Et on a passé un moment de ouf, genre coucher de soleil sur la plage, pique-nique sur la plage et après feu d'artifice, mais que demander de mieux? Donc voilà, j'ai envie d'en garder un souvenir, donc je vous laisse avec les images en musique pour terminer en beauté ce vlog. Et on se dit à très bientôt sur la boutique ou dans une prochaine vidéo. Made a face, walked away, but I took that as everything would be okay. So let's steal your dad's car and drive down to the lake. I'll hold your hair in my hands, the same thing we did yesterday. So.